Bonsoir, Israël. Je vais commencer par partager l'écran, si on me laisse faire. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, monsieur. Bien. Donc, bonsoir à tous. Comme vous voyez, Bonsoir. nous, exceptionnellement, nous n'allons pas parler de la paracha. Mais nous allons parler du moment que nous traversons, puisque nous sortons ce soir de Rosh Chodesh. Donc, on va parler de la date de Rosh Chodesh. Qu'est-ce que ça veut dire, Rosh Chodesh? Qui est un jour tout à fait important et particulier dans le calendrier. On va le voir tout de suite. Vayi barbaim shana, be'ashteasa chodesh, be'echad la chodesh, oil moshe be'er et atora azot lemor. C'est un pasouk qui nous dit. Et ce fut la 40e année, c'est-à-dire 40 ans après la sortie d'Égypte. Le 12e mois. Le 12e mois, c'est bien entendu le mois de c'est bien entendu pardon, le 11e mois, c'est-à-dire bien entendu le mois de Chvat. Bonjour. Non, c'est la dernière. Adar Nissan. Oui, c'est ça. Nissan, c'est le premier. Donc c'est chouette. C'est Chvat, 11e mois, donc. Parce qu'Adar, c'est le dernier. Adar, c'est le dernier. Bon, cette année, on a deux Adar, mais en année On fait normale, pourri dans le premier ou dans le deuxième? toujours dans le deuxième. Alors, on a le temps pourri, mais dans Parce moins que de le mois alors. premier, le Adar qu'on rajoute, c'est en fait le premier, c'est pas le deuxième. Ah. Parce qu'il faut rajouter avant le début de Nissan. Donc, on est obligé de rajouter avant le Adar. Et quelqu'un qui te cherchait pour le Oui, Donc, le, ça, donc, nous dit le Passouk, ce fut la 40e année, c'est-à-dire au bout de 40 ans après la sortie d'Égypte, c'était Be'ashteasa Chodesh, donc le 11e mois, Be'echad la Chodesh, le premier du mois, donc le premier Shvat. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Hoil Moshe Be'er et ta Torah Azot, les morts. Moshe a commencé à expliquer la Torah en disant. Le Passouk dit ça. Amrou Razal, là-dessus les Chachamim reprennent et disent qu'est-ce que ça veut dire, parce que finalement c'est très vague, hein, c'était ce que le Passouk dit. Il a commencé à expliquer la Torah, mais il a dit quoi? Ça veut dire quoi expliquer la Torah? Vous va plus Rashi, Rashi le rapporte cette question. Lachon Pirshalahem. Il a répété la Torah dans les 70 langues des nations. Vetzarbio. Alors, il est bien évident que ce que nous rapportent les Chachamim ici, a priori, le Passouk qui ne dit pas ça, a priori, il a expliqué. On peut l'interpréter comme on veut. Maintenant, on ne comprend pas ce que ça veut dire expliquer. C'est vrai. Mais c'est les Chachamim qui choisissent de donner cette explication. Ils disent, c'est quoi expliquer? Ça veut dire la Torah en 70 langues. Alors, il faut effectivement une explication. Pourquoi? Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, les Frères de la Torah, les Israël, Lachon. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a été conduit à expliquer la Torah à qui il parle? Il parle aux Juifs, c'est les Bnei Israël qui sont là, 40 ans après la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il doit leur traduire la Torah en 70 langues? À l'époque, il n'y avait pas encore eu de diaspora, on ne parlait pas 1000 langues, on n'en parlait qu'une. On parlait l'hébreu. Donc, à quoi sert qu'il leur dise en 70 langues? Bilvush Katav, dans le commentaire qui s'appelle le Levush, il apporte une réponse à cette question qui se pose depuis toujours. Des chachaches, oulai einam kulam balé lachona kodesh, il a eu peur que peut-être ils ne parlent pas tous hébreu et donc ils n'ont rien compris à ce qu'on a dit. Des vadaï amrav kazush em yoter meshishim ribo, yesh baem balé lachonot arbé. Toujours le Levush. Il dit très simplement, parce qu'un peuple aussi nombreux, 600 000 hommes, c'est sûr qu'il y avait des gens qui parlaient de très nombreuses langues différentes. Les Karama Rashi Beshivim Lachon, c'est pour ça que Rashi vient répondre à cette question et dit, il leur a expliqué en 70 langues pour que tout le monde comprenne. Kelomar, c'est-à-dire, Kevan, Shechasha, Shama, Yeshbaem, Baalei Shar Leshonot, et Moshe Rabbeinu a eu peur, peut-être, il y en a-t-il qui parle d'autres langues, donc il était obligé de leur traduire ça en 70 langues.
de Haï Minayu Mevkat Shama Meotolachon, Shisher, Shelo le Faresh, Yeshbaem, Velo Evinu, parce que peut-être il y a quelqu'un qui va rester, qui ne connaît pas une des langues qu'on a utilisées. Et donc, dans ce cas-là, ils ne vont rien comprendre. Donc, il a été, pour être tranquille, traduit en 70 langues. Aval Ihora, Pirusho, Tsarechi, Ungadol. Mais une fois qu'on a lu cette explication, bien entendu, on ne peut pas être totalement satisfait. Il faut vraiment l'approfondir. Dim Moshe Rabbeinu Chashash Mizé. Si vraiment Moshe Rabbeinu a eu cette crainte, Lamaim Tinadata. Pourquoi est-ce qu'il a attendu jusque-là? Befof Arbaim Shana. À la fin des 40 ans, ils vont rentrer en Israël. Les Faresh est à Torah Beshvim Lachon. Il a attendu si longtemps pour leur expliquer la Torah dans les 70 langues. Velo Saken, Teref, Leachare Matan Torah. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Si c'est un vrai doute, ça veut dire que des gens étaient là à Matan Torah, ils n'ont rien compris. Bon, ils ont vu le spectacle, mais ils n'ont rien compris à ce qui a été dit. Dans ce cas-là, il a le doute, il devait traduire tout de suite. Mais il ne l'a pas fait, il a attendu 40 ans. Veotzot, et encore une autre chose. Verim ibn Chashula, Yainam, Yekulam, Bale, Lashna Kodesh, Utsrach Moshe, la Triach, et Kol Bne Israël. Les lishmois pirus pour la Torah, bechol shvim lachon. Et encore une autre chose. Est-ce que, finalement, c'est quoi le problème? Même si on va dire qu'il y a un doute, bon, on comprend, on a toujours la question, mais même si on va dire qu'il y a un doute, parce que Moshe Rabbeinu a un doute, que peut-être il y a une toute petite minorité qui ne comprend pas l'hébreu, qui parle des autres langues, et ce n'est pas tout le monde de manière très claire. À cause de ça, il devait embêter tout le peuple à écouter la Torah 70 fois en 70 langues, uniquement pour cette petite minorité. C'est très étonnant. Yesh shekadvu, shemipne shera Moshe Rabbeinu alav shalom shisrael yiglu leben shivim umot. Il y en a qui ont voulu répondre comme ça, que comme Moshe Rabbeinu a vu que les Juifs seraient envoyés en galoute parmi les 70 peuples, les fichar be'erota b'shvim lachon, shebeize makom shisrael yavo, yel medou be'oto lachon. Pour cette raison-là, Moshe Rabbeinu le sachant, par Roch HaKodesh, c'est avec la galoute arriverait, que les Juifs seront envoyés partout. Alors il a voulu leur expliquer la Torah dans les 70 langues, pour que là où ils arriveraient, ils pourraient étudier dans la langue du pays. Vekin vegam tirutze de rejbiou. Mais même cette explication-là, cette réponse-là, doit être davantage expliqué. De Kevan chez Davarze et non au gars les poètes, Hachi, Iglou, Israël, Ben Shvimumot. Parce que même ça, ça n'a aucune application concrète tant que les Juifs n'ont pas connu la galoute dans les 70 nations. La Maotra Moshe Rabbeinu Lamet Kolze, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a dû enseigner tout ça? Kol la Torah, Shivim Peamim, ça veut dire toute la Torah en entier, 70 fois. Kol pam belashon acheret, chaque fois avec une autre langue. Vesherov nisrael kekulam lo hevinu otan bichlal, et que la plupart des Juifs et presque la totalité n'ont rien compris à ce qui se passait. Ukma machavash shafilu besanedrin rak achadim hevinu. Comme on voit très bien, que même plus tard, qu'est-ce qu'on nous enseigne, les chachamim nous disent que même au Sanhedrin, c'est pas tout le monde qui parlait toutes les langues. Il y avait que quelques-uns. Il fallait que le Sanhédrin comprenne toutes les langues, parce que il devait pouvoir résoudre le cas, quelle que soit la langue, quelle que soit la situation. Mais il y en avait que quelques-uns qui parlaient toutes les langues vraiment. La plus grande partie du Sanhédrin parlait l'hébreu. Or ici, enfin une autre langue, une deuxième langue, l'araméen, mais toutes les langues du monde. Donc là ici, Moshe Rabbeinu, à cause d'un événement qui arriverait en plus des siècles plus tard, la galoute, à cause de cet événement éventuel, il a dû répéter 70 fois la Torah dans des langues différentes pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait autre chose? Logiquement, d'accord, il y aura un besoin, mais s'il y a un tel besoin, il aurait pu compter sur les chachamim des générations à venir, qui, quand le problème se serait posé, eux se seraient chargés, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, eux se seraient chargés d'enseigner la Torah dans les autres langues. Viesh lomar abiyur bazé. On va expliquer tout ça. Yadua mashkata va Ramban. On sait ce que le Ramban a
expliqué. Odot Lachon HaKodesh. Il a expliqué à propos de Lachon HaKodesh, à propos de l'hébreu, qui est la langue sainte, chez Divrei Torah va nevuot vechol Divrei Kedusha kulam belachon ahu demu. Le Ramban nous dit comme ça que la Torah, toutes les nevuot, toutes les Divrei Kedusha, tout a été dit en Lachon HaKodesh. Ou à Lachon Shakadosh Baruch Hu Medaber Bo. Pourquoi ça s'appelle Lachon HaKodesh? Parce que l'hébreu n'est pas, on ne parle pas de l'ivrite bien sûr, mais l'hébreu, Lachon HaKodesh, c'est la langue que Dieu parle, c'est pas une langue comme les autres. Valpize, d'après ça. Kevan shinyana shel Torah ou Torah Tachem. Puisque tout le sujet de la Torah, c'est Torah Tachem. Asher natan lanu et Torato, c'est la Torah de Dieu. Comme il est écrit, on remercie Dieu tous les jours, qui nous a donné quoi? Non pas ha Torah, la Torah en général, mais Torato, sa Torah. Lachen, ayat serch liotichor alimu la Torah b'lashon HaKodesh d'Afka. Alachon, Shakadosh Boukou, Medaberbo. Donc c'est très logique de dire, c'est la Torah de Dieu, c'est Dieu qui parle cette langue. Donc il est logique que l'étude se fasse uniquement Lachon HaKodesh. C'est la langue de Dieu. On est en train de faire autre chose. Vélorak Benogal et Torah Shibirtav. Et ça, c'est pas seulement vrai pour la Torah Shibirtav, pour la Torah écrite. Chez Gidrahu Kishma Aktav, puisque là, c'est une obligation finalement. Puisque qu'est-ce que c'est la définition de cette partie de la Torah, le Kumash? C'est justement que c'est écrit. Dieu kaotiot, le chaser, ve le yatir, qu'on fait attention à chaque lettre, pas une de plus, pas une de moins. Fiché nitnami piagvura, comme Dieu lui-même l'a donné au Mont Sinaï. Val shakria betorah shibirtav, afal piché inom evin, nirchevet limud à Torah. À tel point, c'est important que dans la halacha, quelqu'un qui étudie Torah shebealpe, la Gemara ou la Mishnah ou quelque chose comme ça, et qui ne comprend pas, il lit et il ne comprend pas, n'est pas quitte de l'étude. Et il n'a rien fait. Il faut que tu ne savais pas étudier. En revanche, Torah Shebirtav, quelqu'un qui prend en Chumash et qui lit sans comprendre, il a quand même fait la mitzvah de l'Imouda Torah. Parce que dans Torah Shebirtav, l'important justement, c'est cette idée, c'est l'écriture qui est dite dans cette langue. Arevadai, Shemakom Lomash, le créateur Shebirtav, il dafka velashna kodesh. Donc là, on peut vraiment dire, il y a un vrai argument, Torah Shebirtav, ça doit être en Lachon HaKodesh. À Lachon Sheba, Nitnami Piagvura, parce que ça, c'est la langue, par écrit, dans laquelle Dieu l'a donné lui-même. Donc, on aurait compris si ça avait été que ça. Mais à propos de l'hébreu. Et là, Filou Benogal et Pirusha Torah, avec Lalu Torah Sheba Alpe. Mais même en ce qui concerne les commentaires de la Torah. Et en général, Torah Sheba Alpe, la Torah orale. Agam Shilchora Nogia Havana, bien que on voit que c'est la compréhension qui compte, comme on l'a dit. Shlachen, Imaino Mevin, Machelomed, Aino Nirchav Limutkal. Pour ça que si quelqu'un lit sans comprendre, c'est pas appelé du tout une étude. Mikol Makom, Are Iror Lav Kedibor Dame. Mais quand même, juste y penser, c'est pas comme le dire. Viesh Kamadinim, Achalim, Aladibor Bedivre Torah. On voit qu'il y a beaucoup de halachot qui concerne la manière dont on peut se comporter, comment on doit faire quand on dit des mots de Torah. Merci. Gam, betorah shebealpe, et ça s'applique aussi à Torah shebealpe. Par exemple, comment isur le daber bedivrei Torah kshuarum, comme par exemple quelqu'un n'a pas de vêtements. Dans ce cas-là, il n'a pas le droit de dire des mots de Torah. Donc on voit que le mot est une chose importante. Machen ken irur muta, alors que penser seulement c'est permis. Mais quand même, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Admour Hazaken, il tranche la halacha, qu'il dit qu'on ne dit pas la bracha sur la Torah quand on pense à la Torah, mais on est obligé de la dire avant de dire les mots de, mais y compris de Torah Sheba Alpe, pas seulement de Torah Sheba Alpe. Veod, et encore une autre chose. Kevan shegam Torah shebe alpe, im eim Hashem, puisque même Torah shebe alpe, c'est aussi, elle vient aussi de Dieu, c'est aussi Torah Hashem. Makom lomar, shehashem vegeder de divrei Torah chal rak al diburim shem belashon hakadosh baruch hu medaber bo, ayinu lashon hakodesh. Donc on peut avoir le même raisonnement que pour Torah shebirtav, c'est-à-dire quand est-ce qu'on appelle divrei Torah? C'est uniquement quand on les dit en Lachon HaKodesh. Pourquoi?
Parce que la Shana Kodesh, c'est une autre langue. Ce n'est pas comme toutes les autres. C'est à la Shana, Shakadosh Baruch Hu, mais d'Aberbo, c'est la langue que Dieu parle. Et donc, les choses de Gdusha, comme ça on pourrait penser, a priori, c'est l'étude devrait être entièrement en la Shana Kodesh. Tout devrait être en la Shana Kodesh. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que Moshe ne se contente pas de ça. Mais donc, hier, le premier Shvat, Moshe a redit toute la Torah 70 fois dans les 70 langues. Vezo aïta poulat Moshe Rabbeinu, ça avait un sens. Comme on a dit, a priori, concrètement, ça ne servait à rien, tout le monde comprenait l'hébreu. Peut-être une petite minorité, c'était juste un doute. Peut-être pour plus tard, mais on verrait plus tard. Donc, pourquoi il l'a fait? Zo aïta poulat Moshe Rabbeinu. Ça a été justement ce qu'a fait Moshe. Que par le fait que lui ait expliqué la Torah dans les 70 langues. Chal shem Torah al divrei Torah nilmadim al yedei bnei Israël b'shar leshonot. Alors le mot Torah, il vient s'appliquer aussi sur la Torah telle qu'elle est étudiée par les Juifs dans d'autres langues. De agam, que bien que chez Einze à la Shoncha Kadosh Baruch Hu Medaberbo, que bien que ça ne soit pas la langue que Dieu parle, Mikol Makom, Khalalza Geder des Divrei Torah. On va dire, que ce soit en français, en chinois ou en anglais, on va dire, c'est Divrei Torah, c'est des mots de Torah. Ukshadam Otsimipi Vinyane Torah, Bilshonot Aumot, et quand quelqu'un va sortir de sa bouche des mots de Torah, des idées de Torah, dans le langage des autres peuples, dans le langage goy, Areze, Motsi, Mepiv, Divrei Torah. Alors, mal, bien que ce soit quelque chose qui ne soit pas la Shana Kodesh, pas dans la langue que Dieu parle, mais malgré tout, ça s'appelle Divrei Torah. Ve Asur, les d'Abraham, Kodem, Birkata Torah. Et on n'a pas le droit de les dire avant d'avoir fait le matin la Bracha sur la Torah, etc. Donc, ça a le même degré de Gdusha. Ve Yesh Lomar. Et ça, on peut le dire aussi dans la Torah elle-même. Dans la Torah elle-même, il y a aussi des langages profanes, des langues profanes qui sont utilisées, alors que c'est dans le texte, comme on le voit. Yegar Saaduta, par exemple. Yegar Saaduta, ça veut dire galed. Quand Lavan va rejoindre Yaakov et qu'ils ne font rien, etc., juste avant que Yaakov entre en Israël, ils construisent un monticule de pierre en signe qu'ils ne vont pas dépasser l'un l'autre pour le mal. Et le fait en témoignage. Et donc, la Torah nous dit dans le texte, Lavan l'a appelé Yegar Saaduta. Et on continue, et Yaakov l'a appelé Gal-Ed. Le gal, le tar, le monticule, on va chercher le mot, merci. Le monticule de témoignage. Et Agar Saaduta, c'est la même chose. Sauf que c'est en araméen. Donc, on voit que la Torah employait un mot d'une langue profane, l'araméen, au milieu, pour faire comprendre. La même chose. Totafot. Les totafot des Tulines. Ayou les totafot ben enera. Ce qu'on traduit très gentiment comme un fronto entre tes yeux. Ce qui veut strictement rien dire, bien sûr. Et Rachid nous dit, d'où vient le mot Totavot? Il nous dit que ça vient d'un mot africain, Totba Afriki, etc. Ça veut dire on emploie une langue profane. Shatam, Shetevot, Elu, Nichelu, Batora. Que pourquoi la Torah employait des mots pareils? Shehi, Kula, Mipi, Akadom, Mipi, Akvura. Alors que la Torah tout entière a été donnée par Dieu. Ugde, Shetachol, Dushat, Torah, Tevot, Elu. Pourquoi elle a fait ça? Ça va. Pourquoi la Torah a fait ça? Pour que la Gdusha de la Torah vienne également sur ces mots-là. Chalier des Enasou, les Shonot, Aumot, Mursharim, la Vir Aliadam, Divrei Torah. Parce que de cette façon-là, les langues des nations, qui sont par définition pas des langues saintes, qui sont au mieux de simples langues de convention, des langues humaines, malgré ça, nous dit-on, comme ça, puisque la Torah a utilisé ces mots, les mots de ces langues, pour dire quelque chose, ça fait descendre une gdusha dans ces langues. Une telle gdusha que maintenant,
De telles langues, qui sont pourtant a priori grossières et inadaptées, peuvent transmettre des paroles de Torah. Et c'est de la même manière que ça se passe pour toutes les langues qu'on utilise pour étudier la Torah. Ve'atam, chez Inyanze, Nasa, l'idée Moshe Rabbeinu Davkaou. Et pourquoi ça, cette œuvre-là, ça veut dire utiliser les langues profanes pour dire la Torah. Pourquoi ça a été fait par Moshe Rabbeinu? C'est lui qui a réalisé cette œuvre. Qui colle Inyanze Torah, Nimsaru, l'idée Israël, l'idée Moshe Davka. Parce que toute la Torah, par qui elle a été transmise aux Juifs? Par Moshe Rabbeinu. Moshe, comme il est écrit, Moshe qui bel Torah mi Sinaï, c'est Moshe qui a reçu la Torah du Mont Sinaï. Ve'at shamur asfazal, au point même que les Chachamim nous ont dit, des kolma chez Talmid Vatikatid, les Chadesh, akol nitan neymar les Moshe mi Sinaï, que tout ce qu'un vieux disciple va enseigner de nouveau devant son maître, tout a déjà été donné à Moshe au Sinaï. C'est-à-dire que toute la Torah passe par lui. Même à Chassidut. Absolument. Vechen, Beinyanze, Shechalut Shem Torah, Divre Torah, Anemarim, Beshivim Lachon, Yecholaya Lavo, Rakali de Moshe. Et donc de là, on comprend qu'à notre sujet, que donner le nom de Torah à des Divre Torah qui sont dits dans les 70 langues, ça peut venir seulement par Moshe Rabbeinu, parce que c'est lui qui est le maître et l'intermédiaire de la Torah. Alpizé, Yesh le Verodinyan chez Matsinu Benogal et Targum Torah Beshim Lachon. D'après ce qu'on vient d'expliquer, quelle est la fonction de cette traduction et la Gdusha que ça a pu amener, qu'on puisse se servir de langue profane, de langue grossière, pour dire des divrei Torah, eh bien, ça, on va encore expliquer un autre sujet à propos de cette traduction. Shlachare Shepiresh Moshe Rabbeinu et Torah Beshivim Lachon. Qu'après que Moshe Rabbeinu ait traduit la Torah dans les 70 langues, Tziva Moshe vekezikne Israël et Aam. Moshe et les anciens, Zikne Israël, ils ont dit au peuple, Veyom Asher Ta'avu et Ayarden, quand vous traverserez le Jourdain, Ve'akemota lecha avanim dolot, et tu vas dresser des grosses pierres. Vechatavta la vanim et kol divrei Torah azot be'er etev, et vous graverez sur ces pierres toute cette Torah très bien expliquée. Alors de fait, hein, on le voit plus tard, bon, après la fin du Chumash bien sûr, quand les Juifs traversent le Jourdain sous la conduite de Yeshua, ils vont ramasser 12 pierres, une pierre par tribu, des grosses pierres, ils vont les mettre dans le Jourdain. Et ils vont faire l'ordre qu'ils ont reçu. Et donc, et dessus, il va y avoir gravé la Torah Be'eretev. Très bien expliqué. Ouais. Non, 12. 12. Il y en a 12. Et c'est des grosses, hein, c'est pas des cailloux. Ils prennent des. Gros plateaux. C'est la taille des plateaux. Non, mais je pense que ça doit être balèze, hein, s'ils mettent la Torah à l'intérieur bien expliquée. Qu'est-ce que ça veut dire bien expliquer? C'est ça toute la question. C'est quoi bien expliquer? Et Rashi le dit, c'est quoi Be'er Etev, puisque c'est très vague, hein? C'est Be'shivim Lachon, 170 langues. C'est ça l'explication. Vaïnou, chez Nosaf Alze, chez Piresh Lahem à Torah, quand vous voyez les pierres du Beth Amikdash, il y a de la place. Hein? Les pierres du côté de la Maravie, il y a de la place. Tu prends 12 pierres comme ça, ça va. Non, c'est balèze. La Torah, c'est quoi? C'est pas que les mochés, c'est pas que le roumage. Si, c'est le roumage. Alors, moi, ouais, c'est suffisant. Ouais, c'est pas mal déjà le roumage. Pas mal, ouais. Donc, en tout cas, en 70 langues. Vaïnou, chez Nosaf Alze, chez Piresh Lahem Torah, Beshim Lachon Be'alpe. Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'en dehors du fait que déjà, Moshe Rabbeinu leur a dit la Torah en 70 langues, oralement, Si vache, je te vois ta Torah, mais je suis Mlachon. Il rajoute un ordre. Il a dit, ça ne suffit pas que je vous la dise oralement. Quand vous entrerez en Israël, il faudra mettre tout ça par écrit. Il n'avait pas écrit sur un rouleau? Non, pas la traduction. Ah oui. Ve'alpi.
Ils se sont pas aidés du rouleau pour. Ils avaient oublié. Non, non, vous n'avez pas oublié, vous n'avez pas besoin, t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. C'était pas des gens comme nous. Et on est payé à l'heure pour la traduction. D'après ce qu'on a expliqué, maintenant on comprend pourquoi on a besoin des deux, et de l'oral et de l'écrit. Dîner à Rambam, pirouche, puisqu'on voit le pirouche du Rambam sur cette île. Shaktiva aita bektiva koluma meloa umot. Rambam nous dit clairement qu'ils ont écrit selon l'écriture de chaque peuple. Ça veut dire, ils n'ont pas utilisé l'hébreu, les caractères de l'hébreu pour écrire en 110 langues. Ils ont utilisé les caractères de chaque peuple. Entre autres, pour les Assyriens, mais pour ceux qui utilisaient les caractères assyriens. Les caractères assyriens, ils ressemblent beaucoup aux nôtres, mais même des caractères différents. Les peuples écrivaient, ils avaient des écritures. Tous ces, les 70 peuples en question, les 110 nations d'origine, ils avaient des écritures. Les Romains n'existaient pas encore, d'accord. Mais ils avaient des écritures. Par exemple, ils ont probablement écrit en égyptien. Et dedans, ils ont dû faire ça en hiéroglyphe. Avec des dessins, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des livres en chinois, hein? Pas que c'était pas les Chinois. Si, si, les Chinois existaient à l'époque, bien sûr. Il y avait, les hybrides là-bas à cette époque. Bien sûr. Non. Intéressant. C'est le peuple du vieux, je pense. Non, c'est nous. Nous, voilà. Nous, c'est nous, voilà. Ah. Et... c'était quoi? C'était en l'an 2000 environ. C'était 2000 ans après la création. Non, après Internet, carbone 4. 2000-2300. On sait que Babino, il était environ en 1980. Là, on lui fait pas confiance. Combien? En plus, nous, tu sais, 14. On a 20 sur 20. On n'a pas 14. Envoyez une petite feuille de Chabad. Alors, en tout cas, ça veut dire que non seulement ils ont eu l'oral, mais ils ont eu l'écriture, et l'écriture en suivant l'écriture de chacun des peuples. Venim ça. She'ein achilug ben adeba shivim lachon pircha lahem. Vektiva tatora beshivim lachon rakimayaze bealpe obirtav. Et donc, on voit qu'il n'y avait aucune différence. Qu'il l'ait eu en oral ou qu'il l'ait eu par écrit, ça remplissait les mêmes conditions. C'est toujours faisant des langues complètes. Et la gamme que chez Amdou Barourak Belachon Aoumot, de quoi on parle? Si on parle seulement de la langue des peuples, Ora Orak Biktav Aoumot, ou de l'écriture des peuples, Vem Shlenyanim, Depirchalem, et ça fait les deux choses qu'il leur a expliquées, qu'il leur a dites, Vaktiva, et il y a eu l'écriture, Shem Bet Peulot. Et donc, ça, c'était deux actions que Moshe a faites. En oral, à l'oral et par écrit avec l'écriture. Achat. Shichal Shem Geder Torah, la Torah Nilmedet Bilshonot Aumot. C'est-à-dire qu'il y aura les deux à la fois. Premièrement, qu'on va appeler Torah, même la Torah qui est étudiée dans la langue des nations. Achenit, la deuxième chose. Shichal Shem Torah, le Ktav Aumot. Qu'on va appeler Torah, même quand fait écrit dans une écriture goy. Shasfarim binyan et Torah shirtavu biktav haumot, que les livres de Torah qui vont être écrits dans l'écriture des peuples, arehem sifrei kodesh, ça va être des sifrei kodesh, shasur linog bahem minak bizayon, et ça entraîne des conséquences dans la halakha. Si on dit seul la shna kodesh c'est kadosh, dans ce cas-là, ça veut dire même si on prend un livre de Torah écrit en français, alors on peut en prendre n'importe quoi, c'est du français. Ou du franc l'anglais ou autre chose, c'est une langue profane. Et là, puisque ça a été fait, que sur l'ordre de Moshe, qui a d'abord dit oralement, qui demande ensuite de l'écrire, encore une fois, dans l'écriture des peuples eux-mêmes, avec leur langue et leur écriture, ça fait que ça rentre en idée de Gdushat à Torah dans un texte de Torah, même écrit dans une autre langue que la Shema Kodesh. En quelque sorte, protégé par le. Voilà Gdusha. Veine les filles pshuton. D'après le pshat. Mais d'abord, Katouze, Oil Moshe Ber et à Torah Azot, Beamirat Mishne Torah. D'après le pshat, c'est pas comme ça. Dans le pshat,
le passouk qu'on a commenté depuis le début, que Moshe, ce jour-là, a commencé à expliquer la Torah. Dans le pshat, c'est Rashi qui rapporte Shivim Lachon, il a dit en 70 langues. Mais dans le pshat, c'est quoi? C'est qu'il a commencé à dire le dernier Sefer, Sefer Dvarim, qui est le Mishneh Torah, où c'est Moshe Rabbeinu qui parle, c'est plus Dieu qui parle, et il répète l'ensemble de la Torah. Chez Mise Mouvan, chez Pirouchato, à l'idée Moshe Rabbeinu, Bechim Lachon, Tourno Torno Kachour Imachidouche des Mishneh Torah. Puisque le pshat, c'est ça, ce qui ne retire pas la validité de l'autre commentaire 70 langues, mais puisqu'on a les deux commentaires devant nous, donc on comprend que quand on nous dit que Moshe Rabbeinu a répété la Torah en 70 langues, c'est lié avec toute la nouveauté qu'apporte la répétition de la Torah dans le cinquième Sefer. Ve'al pi hanal, d'après ça, Yesh leva'er ha'shaykhut benhem. On va comprendre, il faut expliquer le lien qu'il y a entre eux. Ou be'egdam ma'amar hazal. Et en commençant d'abord parce que disent les Chachamim. Là, ça veut dire que dans 70 langues, c'est plus profond, le Mishneh Torah. Dans le pshat, il a expliqué, mais tu prends au sens strict. C'est quoi Dvarim? Dvarim, c'est Moshe qui parle et il répète tout. Dans l'autre pirouche, c'est du tout, et là, c'est une Mishneh Torah. Et il dit et qu'il répète et qu'il enseigne aux Juifs. Maintenant, on est obligé de dire que les deux sont liés, parce qu'il n'y a aucun pirouche qui est faux par définition. Donc, les deux sont liés, mais il faut comprendre le rapport. Ou Beigdem Amarazal. Et d'abord, pour commencer, on va comprendre ce que nous enseignent les Chachamim. Klalot chez Bemishneh Torah, Moshe Mipiatsmo Amran. Les Chachamim nous disent les malédictions qu'il y a dans le Sefer Dvarim. C'est Moshe tout seul qui les a dit. Ou des lots qui est loué chez Betorat Kohanim, par Shal Bechukotai. Pas comme les précédentes, celle de Bechukotai, où là-bas, ce n'était pas Moshe de lui-même, chez Moshe Mipiatsmo Amran, que là-bas, quand il y a eu pour la première fois les malédictions, c'était Moshe qui les a dites, mais il les a dites parce que Dieu les mettait dans la bouche. Varnibber bekam komot, on a déjà expliqué plusieurs fois. Chez Klat, Zenemar, Lora, Klinyan, Klalot, chez Bemishneh Torah, et la kol sefer Mishneh Torah, mar Moshe Mipiatsmo. Que ce principe que nous disent les Chachamim, que dans le Sefer Dvarim, les malédictions, c'est de Moshe, c'est pas de Dieu. C'est pas seulement vrai pour les malédictions, mais c'est vrai pour tout le Sefer. Tout le Sefer Dvarim, c'est Moshe qui le dit, c'est pas Dieu. Ou Bepirush Advarim, Erichu Bemefarshim. Les commentateurs ont beaucoup insisté sur cette idée-là et l'ont développée. Dilchora, Echev Char Lomar, Al Pasuk, Mechamishachum Shetora, Che Moshe Mipiatsmo Amro, Volo Mipiagvura. On a une vraie question. On est en train de dire qu'il y a même un seul passouk dans la Torah, c'est pas Dieu. C'est Moshe Rabbeinu de lui-même qui a dit. C'est très grave. Et donc, les commentateurs s'arrêtent là-dessus et disent, comment on peut dire ça? Comment on peut dire qu'il y a même un seul passouk que Moshe n'a pas dit parce que Dieu lui a enseigné? Vare, alacha brua, c'est une alacha claire, chez Omer, chez Ina Torah, mi Hashem, que celui qui dirait que la Torah ne vient pas de Dieu, a filu teva achat, même un seul mot, imama Moshe Rabbeinu mi piatsmo, areze kofer batora. S'il dit, ça c'est Moshe qui a dit, ce n'était pas de Dieu, alors celui-là s'appelle kofer batora. Il est en train de nier la Torah. Mais donc c'est un peu difficile à comprendre. Et on nous dit ça maintenant sur tout le cinquième Sefer. Mais fourage berambam, l'inyan shmona psukim shebesof a Torah, chez Akol Torahi ou Moshe Mipiagvura Amram. Et au point que Rambam vient préciser pour les 8 psukim qu'à la fin de la Torah, qui parlent après la mort de Moshe. Donc, on a envie de dire, bon d'accord, il a tout dit, aucun problème de Dieu, c'est Dieu. Mais tout c'était Moshe, mais c'est Dieu qui lui disait. Non, les 8 psukim, Moshe est mort. Donc, comment il est en train de dire? Et alors, Rambam nous dit clair, toute la Torah fait pareil. C'est dans la Torah. Et la Torah, ça répond à une seule définition. C'est Moshe qui dit en répétant les mots de Dieu. C'est Dieu qui parle par sa bouche. Alors, comment il a fait, c'est une autre question. Mais ça ne change rien au statut de tel ou tel passage.
C'est-à-dire que tout est dit par Dieu. On peut dire nulle part, c'est Moshe tout seul qui parle. Me voir, Badvé, Alpi, Divré, Atosfot. On explique à ce sujet, d'après ce qu'enseigne les Tosfot. Moshe Me'atzmo Amram, il commente le mot. Moshe Me'atzmo, le mot des Chachamim. C'est Moshe de lui-même qui a dit. Il rajoute, ou Beruach HaKodesh. Il a dit par Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, chez Gam Klaloch Bemishte Torah Beruach HaKodesh Nemo, que même les malédictions qu'il y a dans Dvarim, elles-mêmes, elles ont été dites par Ruach HaKodesh. Elles ont été dites par Ruach HaKodesh, Vave Bichlal Torah. Et donc, pour ça qu'elles rentrent dans la Torah, chez Nehemra Mipi Agvura, qui a été dite par Dieu. Et là, chez Bemipi Agvura, Yeshkama Dargot. C'est seulement quand on dit que tout vient de Dieu, il y a différents degrés. Ou les Gabé Pi Agvura, chez Bedalet Sfarim Arishonim, Are Ruach HaKodesh, Bemishna Torah, Begeder Pi Atzmo Yikare. Et en réalité, la différence, c'est que quand c'est Dieu qui parle directement, c'est une chose. Quand maintenant, c'est par Ruach HaKodesh, c'est toujours Dieu qui parle. Mais c'est un autre degré. Le cinquième Sefer, Sefer Dvarim, c'est par Ruach HaKodesh. Alors évidemment, c'est Dieu qui parle. Mais par rapport aux quatre premiers, où c'est Dieu qui dit directement, c'est appelé comme si Moshe, il disait de lui-même. En vérité, c'est Dieu qui l'inspire. Betzer Bio, il faut comprendre. Kevan. Chez Guidra, chez le Torah, chez Birtav, puisque la définition de Torah chez Birtav, c'est-à-dire Ramishachum chez Torah, les fins Krumashim, ou chez Kulam Ipiagvoa, donc on vient de le démontrer, tout est de Dieu, la bouche de Dieu. Ou Bavé Shoneim, Anivim, Uktuvim, chez Gamen, Nemru, Venirtevu, Benvoa, Uberoa, Kodesh. Et enfin, la Torah, proprement dite, le Krumash, c'est différent des Nevim, des prophètes qui suivent, des Ktuvim. Des scribes, pourquoi? Parce que eux, ils ont écrit par névoie les prophètes. Ils ont dit ce qu'ils ont dit, parce que c'était des névimes, Dieu les inspirait. Ou alors par Ruach HaKodesh. Aval, Einam, Bichlal, Ota, Darga, Shelmi, Piagvura, Komotorat, Moshe. Mais ils ne sont pas au même degré de la bouche de Dieu comme la Torah enseignée par Moshe. Imken, Lama, Nichlalou, Batorah, Shibirtav, Gam, Divre, Moshe. Sheneemru, Rak, Beruach HaKodesh. Dans ce cas, il y a une question. Puisqu'on nous dit qu'il y a plusieurs degrés dans Mipi Agvura, qu'on fait Dieu qui parle, soit par Ruach HaKodesh, soit directement, mais que c'est différent, même si tout est de la bouche de Dieu. C'est vrai pour les Nevim, par exemple, les prophètes aussi. C'est Dieu qui parle par leur bouche, mais c'est Ruach HaKodesh, pas direct. Alors dans ce cas-là, pourquoi on a fait une... Pourquoi eux, on ne les a pas inclus dans la Torah? Pourquoi on a fait une différence entre Moshe quand il parle par Ruach HaKodesh? Et les Nevim, quand ils parlent par Ruach HaKodesh. C'est quoi, c'est différent? C'est que quand le cinquième... La Gemara n'est pas dans la Torah. Non, pas la Gemara, on parle des Nevim, les prophètes. La Tara, quoi. Voilà. La Nevim, Tovim, c'est pas... La Tara n'est pas dans le Torah. Alors qu'on nous... Enfin, aussi, c'est par Ruach HaKodesh. On a dit, Moshe Rabbeinu, c'est pas Mipi Atzmo, c'est pas lui-même qui l'a parlé. On peut pas dire ça, c'est Assur. Alors, comment ça se fait? C'est qu'est-ce qu'il y a eu? Il a eu Ruach HaKodesh. C'est aussi Dieu qui parle, mais d'une autre façon, plus indirecte, on va dire. Alors que les quatre premiers livres, c'est Dieu directement. Mais ça, c'est vrai pour tous les Nevim, pour tous les prophètes. Donc, dans ce cas-là, pourquoi on fait une différence entre eux? Là, le cinquième Sefer de la Torah, Sefer Dvarim, c'est Moshe qui le dit entièrement. On l'a mis dans la Torah. On dit c'est la Torah, les Chamishachum chez Torah, c'est une seule chose. Mais les prophètes, on ne les met pas dans la Torah. On dit c'est Ruach HaKodesh, c'est des écrits saints, etc., etc., mais ils sont à part. Pourquoi? Viesh Lomar Rabbi Urbazet. On va expliquer tout ça. Yadoua Ma She Amrou Razal. On sait ce qu'ont enseigné les Chachamim. Mais Ikamide Diktive. Bektuve de l'ore mise boraita. Les Chachamim ont dit comme ça. Où est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les Ktuvim qui n'a pas déjà une allusion dans la Torah? Pirush Rashi. Rashi l'explique. Velo Ramza Moshe boraita. Auquel Moshe n'a pas fait allusion dans la Torah. Shachumashu yesod nevim uktuvim. Parce que la Torah, le Chumash, c'est le fondement, la base des prophètes et des Ktuvim. Ou Bekulam Yeshmach Lim Tso Minatora.
Et chez tous, il y a un appui qu'on peut trouver dans la Torah. Valpizei Yeshlomar. Qu'est-ce qu'on voit de là? Chez Keshem, chez Tochen, Advarim, chez Benar, Yeshmach, Limtsoa, Minatora. Que de la même manière que pour le contenu de tout ce qu'ils enseignent, on peut trouver le fondement dans la Torah. Kerhou, Benogal, Eofan, Idgalut, Advarim, chez Benar. C'est pareil pour la façon dont se révèle tout ce qui est dans le Nar. Chez Gdesh, Yachol, Aleem, Shem Torah. C'est pour que vienne sur eux le nom de Torah. C'est Chliot, Yesod, Leidgalut, Kazu. Betorat Moshe Atzmo, pour que ça se révèle dans le Nar, c'est-à-dire dans tout ce qui suit la Torah, dans les Nevi'im, les Ktuvim, bien pour ça, il faut qu'il y ait un fondement à ce dévoilement. Et ce fondement-là, il est dans la Torah de Moshe. Klomar, Aïnyanim, Shbesifre, Nevi'im, Ktuvim. Tout ce qu'on va trouver dans les prophètes et les Ktuvim, Shidgalu, Aliyede, Nevoa, Roha Kodesh, comme on a dit, qui sont apparus par Nevoa, par Roha Kodesh. C'est pas seulement divré navi, les paroles d'un prophète ou des choses comme ça. Et la M Torah, mais ils sont appelés par le nom de Torah. Shlachen, atzivuim shebahem, chayavim nanu lekayem. C'est pour ça qu'on est obligé d'accomplir les ordres, les commandements qui se trouvent dedans. L'orak mitzadachiyuv lishmoal divré navi, pas seulement en tant que obligation d'écouter le Navi. Il dit de faire ça, on doit le faire. Et la Mitzatriou va Torah l'Ekayem. Mais parce que c'est une obligation de la Torah de le faire. Divré l'Ekayem quoi? Divré Kabbalah. Le Fka a été transmis. Et la Shein, Bahem, Oto, Achomer, qui est Divré Torah, Chamisha, Chumche Torah, ça n'a pas la même gravité que les Fka contenus dans les Chumashim, dans la Torah. Mais comme mais, ça a aussi une gravité suffisante pour nous l'imposer, parce que ça a pris la force de la Torah. Viesh lomar, shayesod laze. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fondement de ça. Shiachol advarim shingelu al yedei nevoa ruach kodesh geder Torah. Le fondement de ça, que ça va venir sur des choses qui se sont révélées par nevoa ou par ruach kodesh, qui donne le nom de, qui reçoit maintenant la qualité de Torah. C'est Betorat Moshe Goufa. C'est dans la Torah de Moshe. Ça, c'est d'où ça vient dans la Torah de Moshe. C'est Mishne Torah, Sefer Dvarim. Sheneemar Rag Beruach HaKodesh. Comme on voit que le cinquième Sefer de la Torah, le Sefer Dvarim, n'a été dit que par Ruach HaKodesh. Ce n'est pas Dieu directement qui le dit. Mikol Makom Aru Chelek Mitorat Moshe. Mais quand même, on est en train de dire ça fait partie de la Torah de Moshe. Sheakol Torahi. Ou Moshe, Mipi, Agvura, Amram, dont on nous dit, c'est la Torah de Moshe, que tout est de la Torah d'un bout à l'autre, et que Moshe, il l'a dit du nom de Dieu. C'est Dieu qui parle par sa bouche. Donc, cette qualité-là, cette capacité de le faire, c'est ça qui a donné toute la validité, ou toute la force, pas la validité, mais toute la force aux paroles de Nevi'im, au point que ça devient une obligation de le respecter en tant que divré Kabbalah. Quoi? Nevi'im et Ktuvim. Il n'y a pas trop de dinim à apprendre des Nevi'im et Ktuvim. C'est plus des passages qui vont être basés sur la Gemara. Il n'y a pas de dinim. Ah, tu sais, tu écoutes la Megillah à cause d'un avis. Tous les ans. Tous les sphères, tous les vies. Ou Beders. Ouais, mais ce n'est pas des dinim comme Mishpatim, Teruma. Mais la Megillah, par exemple. Là, c'est Midé Rabbanan, ce n'est pas Midoraita, la Megillah. Ça qu'on vient de dire. Attention. Ouais. C'est Mordechai et Esther qui disent qu'il faut lire la Megillah. Pourquoi tu vas écouter? C'est que Mordechai et Esther. Mais on peut dire comme ça. On te dit non, pas du tout. Depuis que Moshe Rabbeinu a fait descendre la Kdusha dans des paroles profanes, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une possibilité que Mipia Gvura, ce soit aussi par Ruach HaKodesh. Et là-bas, quand Mordechai et Esther disent qu'il faut lire la Megillah, c'est Mipi Agvura, c'est pas Midor. C'est la même façon qu'on s'adresse au dit de Moshe, comme c'est que c'est Midor. Tu peux aussi faire ça dans Midor Rabbanan, parce que tout émane de la Torah. Quoi. Et plus que ça, c'est que ça rentre dans le Geder de Torah. Ça rentre, il n'y a pas une catégorie à part. Il y a une seule Torah, Torah de Moshe. Et dans Torah de Moshe, bah, il y a aussi Megillah Tester. Ou Bederze.
Ouais. Par le lien de ce roi au Bédarer Zo, Yesh le ver gam divrei Azohar. Et comme ça, on va comprendre aussi ce que nous dit le Zohar. Chez Mishne Torah Nikra Torah Shebealpe, Vehi Mekora Shel Torah Shebealpe, que me voir Besefer Megale Amukot, Shinyan Mishne Torah, I Al Sot Torah Shebealpe, Shekiblo Israel Besof Avaim Shana, Beknisatam Laretz. Que comme nous explique, comme nous dit le Zohar, que Mishne Torah, donc le Sefer Tvarim, il est appelé Torah Shebealpe, la Torah orale, Moshe qui l'a enseigné. Et ça, c'est la source de tout Torah Shebealpe. Comme c'est expliqué dans le Sefer Megalé Anupot, que tout le sujet de Mishneh Torah, c'est-à-dire du Sefer Dvarim, c'est le secret de Torah Shebealpe que les Juifs ont reçu à la fin des 40 ans dans le désert quand ils allaient entrer en Eretz Israël. Vezo Gama Remes Bekar, chez Arbaim Dod Moshe Rabbeinu Adrabi, chez Sider Amishnayot. Il y a un remez à ça. On voit qu'il y a 40 générations entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Yehuda Hanassi, qui a compilé la Mishnah. Alderer Mem Shana, Sheim Kinu Israël, et Kabel Torah Shebealpe, exactement comme les 40 ans que les Juifs ont attendu avant de recevoir Torah Shebealpe. C'est-à-dire que Sefer Dvarim, c'est Torah Shebealpe, d'une certaine façon. Ashaychut Shel Mishne Torah, les Torah Shebealpe. Alors maintenant, il faut comprendre. On fait un mot du Zohar. Mais Sefer Dvarim, c'est Torah Shebirtav, c'est dans le Chumash. Ouais. Alors qu'est-ce que le Zohar vient nous dire? C'est Torah Shebealpe. Mouvenet alpiam voir bekam komot, bechilug ben pi agvura, chez Barbas Farim Arishonim, ou pi agvura, chez Bemishne Torah. On va comprendre ce que ça veut dire en expliquant ce qu'a expliqué par ailleurs déjà, la différence entre pi agvura, c'est Dieu qui parle, pour les quatre premiers Sfarim de la Torah, et pi agvura, c'est Dieu qui parle, pour le cinquième. Les Sfarim, Arishonim, Nidgalou, Aliédé, Akadosh Borou. Les premiers Sfarim, les quatre premiers. Jusqu'à Bamidbar compris, ça veut dire. Ça a été révélé par Dieu lui-même. Et là, Shaya, Bem, Tsaout, Toshel, Moshe. Mais c'est Dieu qui révélait, mais c'était par l'intermédiaire de Moshe. Shakadosh Borou, Sam et Advarim Befiv, que Akadosh Borou, il a mis ses paroles dans sa bouche. Ou Moshe aya ma'atiko birta, et Moshe il les a écrites. Bofan shelo itava dato vasagato shel Moshe bemsirat advarim, de telle façon que rien s'est mélangé dans son esprit et sa compréhension quand il a retransmis les choses. Machen ken bemishne Torah, ce qui n'est pas le cas pour le Sefer Dvarim. Dans le Mishne Torah, le Sefer Dvarim. Pardon. Le Af Shegam Advarim Shem Mishne Torah Nemru Mipi Agvura. Bien que ce qui a été fait dans le Sefer Advarim aussi, ça a été dit de la bouche de Dieu. Mikol Makom Id Galut Advarim Aita Aliyedei Moshe. Mais leur révélation, c'est pas Dieu qui l'a faite, c'est Moshe. Chez Moshe Ayam Edaber Me'atzmo Et Divra Hashem Asher Isik Bedato. C'est que Moshe a répété les choses de lui-même. C'était les paroles de Dieu, ce qu'il avait compris. Vaïnou, chez Divra Kadosh Bokhu, Nitlav Shou Bedaato Shel Moshe. La grande différence, c'est ça. C'est que dans le Sefer Dvarim, les paroles de Dieu se sont habillées dans la compréhension de Moshe. Velachen, mais Sarah Moshe Israël, Kilou et Yomer, Omram, Mipi Atzmo. C'est pour ça, quand il parle la première personne, contrairement à tous les autres Sfarim. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il le disait de lui-même. C'est passé par son intellect, par sa compréhension. Veid Baru Alpizé, Divra Aramba, Araban, Shepirouche, Adamrou, Shepirèche, Adamrou, Chazal. Et on comprend comme ça ce que nous dit le Ramban, qu'il explique ce qu'il dit le Chachamim. Dafilou, Man, Delo, Darish, Mouchim, Baalma, Bemishne, Torah, Darish. Qu'il explique comme ça, dans les règles de commentaires de la Torah. Il y a des commentateurs qui tirent des conclusions de la proximité des sujets, de la proximité des versets, ce qu'on appelle Darish Smuchim. Ils font une dracha à partir de la juxtaposition de versets. Pourquoi celui-là, après celui-là, etc. Et il y en a qui refusent de faire ça, qui disent on ne peut pas, c'est Dieu qui a fait, on ne peut pas déduire quelque chose. Mais
même ceux qui pensent qu'on ne peut pas déduire, en ce qui concerne le Mishneh Torah, le Sefer Dvarim, ils disent qu'on peut le faire. Vetam, à quelle raison? Mishum de chol la Torah mi pi agvura nemra. Parce que toute la Torah a été donnée par Dieu, elle a été dite par Dieu. Ven mukdam mura, et il n'y a pas d'ordre. Dieu, il dit les choses comme elles doivent venir. Dieu n'a pas fait un plan dans les psukim, ça veut dire. Donc, on ne peut rien déduire. Aval Moshe, chez Sider Mishneh Torah, paracha, har paracha. Mais Moshe, qui a organisé ce qu'il a dit, paracha après paracha, l'Osider et l'Aleïdaresh, puisque c'est Moshe par son intelligence qui a fixé l'ordre des choses. Donc, c'est certainement qu'il a voulu dire quelque chose. Donc, on peut déduire. C'est pas qu'il n'est pas capable, mais il y a un principe depuis le début dans la Torah, comme tu peux le remarquer, il n'y a pas d'ordre. Rachid le dit tout le temps. Il n'y a pas de plus tôt et plus tard dans la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique. Et pourquoi? Non, ça qu'on vient de dire. Justement, parce que la grande différence, c'est que le cinquième, ce n'est pas Dieu. C'est l'intellect de Moshe qui est au milieu. Dans la cinquième ligne, il y a l'ordre. Oui, parce que c'est Moshe qui le fait. Et donc, lui, il pense l'ordre. Alors que Dieu a choisi comme principe, il pourrait faire autrement. Mais il a choisi comme principe qu'il n'y a pas d'ordre. Tu remarques que dans le déroulé de l'histoire de la Torah, ce qui a l'air d'être une histoire racontée du début à la fin, pourtant, tu vois qu'il y a des événements qui sont à l'envers. Et Rachid le dit, mais ce n'est pas passé là, c'est passé avant. Et il te rajoute tout de suite, quand il relève un truc comme ça, dans la Torah, il n'y a pas d'ordre. Dieu n'a pas suivi un ordre. Il suit les enseignements. Donc quoi? Vieshlomar, des kavanatoi, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Barbas Fari Marishonim, chez Akadosh Bohu, Sam Vahabefi Shel Moshe, que dans les quatre premiers livres où Dieu a mis sa parole dans la bouche de Moshe, Mibli Tarvud Dato Vasagato Shel Moshe, sans que l'intelligence de Moshe s'y mêle. Il n'y a aucune obligation qu'il y ait une raison dans l'esprit de Moshe pour que les choses se suivent dans cet ordre. C'est pour ça qu'on ne peut faire aucune déduction à partir de la proximité des sujets. Alors que dans le cinquième, dans Mishneh Torah, que toutes ces paroles-là et l'ordre dans lequel les choses sont présentées, c'est Moshe qui les a comprises dans son esprit. Et c'est de lui-même qu'il disait les paroles de Dieu qu'il avait comprises. Imken, dans ce cas-là. On comprend que même l'ordre des sujets, l'ordre des choses, doit être compris. Et donc, on peut aussi déduire de la proximité des sujets. Puis Alpi Anal, Yeshlomar, d'après ce qu'on a dit précédemment, on peut dire Shatam Shuzra Liot Inyan Kaze Betorat Moshe. Que pourquoi ça devait être comme ça dans la Torah de Moshe? Shigaut Advarim Tiebeofan, Sebetrila, Nitlam Shubedato Vasagato Shel Moshe Rabbeinu, que les choses se dévoilent comment? Que en passant par l'intelligence de Moshe. Ou Kizeu Ayesod Le Geder Torah Shebe Alpi. Pourquoi ça devait être comme ça? Parce que ça, c'est le fondement de tout Torah Shebe Alpe. Deine Benogal et Torah Shebe Alpe, Matsinu Davar. En vérité, on a une vraie question. Sur toute la Torah orale, on voit une chose et son contraire. Mechad Gisa d'un côté. Il galuta, le fond dévoilement. Milva Dainyanim Shem Alachal et Moshe Misinai ou Baoube Kabbalah. En dehors des sujets, qu'on appelle Alachal et Moshe Misinai, c'est Moshe qui les a reçus au Mont Sinai. Et ils sont venus par tradition. Mais en dehors de ces quelques sujets-là, en général, et allié d'Ebné Israël, toute la révélation de tout Torah Shebe Alpe, c'est par les Juifs. Shem Amegalim Inyané à Torah Shebe Alpe, c'est eux qui dévoilent les choses de la Torah orale. Comment allié des Limoudam? Parce qu'ils étudient. Ou basé Moucheret Dato Vasagato Shellom et Tatan. Et donc, celui qui étudie doit comprendre et déduire. C'est comme ça que toute la Gemara a été faite. On étudie la Mishnah, on voit ce qu'il y a, on discute et on va développer des nouvelles idées. Donc, c'est les hommes qui le font. Aval Leïdar, mais inversement. Kol Tochen, Limut Torah ou Legalot Divar Hashem,
quand on étudie la Torah, c'est pas pour faire avancer ses propres idées, c'est pour révéler la parole de Dieu. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la halakha? Ça ne dépend pas de la pensée de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Parce que l'essence de la Torah, c'est la chorma d'Hachem. Et là, Jacques Bochou, Massarota, l'Ivne Israël. Et c'est comme ça que se passe la Torah, je fais la Torah orale. Toute la Torah vient, c'est la chorma de Dieu. Mais Dieu a voulu que sa chorma soit révélée par la compréhension des hommes. Et puisque tout ce qui se trouve dans la Torah, toutes les définitions de la Torah, tout doit avoir un fondement dans la Torah de Moshe. La reine Inyanze, et donc cette idée-là, chez Achul Shem Torah, Torah Tachem al-Dava Chokma, chez Nigala al-Yede Da'ato va Sagato Shladam Nivra. Donc cette idée-là, que le nom de Torah va venir, c'est-à-dire la Torah d'Hachem, va venir sur une sagesse qui est révélée par la compréhension d'un homme, d'une créature. Ça vient de Torah de Moshe. Et où dans de Torah de Moshe? Dans Mishneh Torah, dans le Sefer Dvarim. Shegam Sham, Yeshnam Shnei Ksavotele. Que même là-bas, il y a les deux aspects. Sheid Var Hashem, Sheid Lam Shabedato Vasagato Shel Moshe. Que c'est la parole de Dieu qui s'est habillée dans l'esprit de Moshe. Et puisque, mais ça c'est dans Torah Moshe, dans le Chumash. Donc puisque ça existe dans le Chumash, Nimsharken Gam Beklalut Torah Shebealpe, alors de là ça peut se retrouver dans l'ensemble de la Torah Shebealpe. Vezo Gamatam, et ça c'est aussi la raison. Shebiachad Nimamirat Mishneh Torah, que en même temps que il a dit le Mishneh Torah, le Sefer Varim comme on a dit. Bishivim lachon pirshalaim. En même temps, il a expliqué la Torah dans les 70 langues. Que shem shaliyede amirat mishne Torah pal Moshe shasagat Torah shel ben Adam alomed lefi klal Torah nasit relek mais Torah Hashem. De la même manière que par le fait que Moshe ait dit le mishne Torah avec toutes les caractéristiques qu'on a dit de lui-même, etc., etc. Moshe a fait que la compréhension de la Torah d'un homme qui l'étudie en fonction des principes directeurs de la Torah devient une partie de la Torah de Dieu. Vekodem shlom dimota chayavim lever berkat haTorah. Et avant de l'étudier, on est tenu aussi de faire la bracha sur la Torah. Asher natan lanu et Torato. On remercie Dieu qui nous a donné sa Torah. Kachu binyan alashon shlom dim ba Torah. C'est la même chose pour la langue dans laquelle on étudie la Torah. Shebeshivim Lachon, le Pirshalaim, qui leur a donné dans les 110 langues. Pourquoi? Kdesh Yachol Geder Shel Torah, Gam, Alachon Sheina Lachon Akadosh Borosh, Akadosh Borum Midaberbo, et la Lachon Amvam, le Shonod Mne Adam Kenal Barucha. Qu'il leur a dit dans les 70 langues, pour que dans n'importe quelle langue, même si on ne l'étudie pas dans la langue que Dieu parle, mais dans la langue des peuples, même alors, il va y avoir le nom de Torah Hashem dessus. Inyan Amur Shaya Bemuchad Lekvod Dusha Noru Echami Admor. Or, on lit toujours quand ça arrive, Rosh Chodesh Shvat, pardon, c'est toujours à proximité par définition de Yud Shvat, qui est la Iloula du rabbi précédent. Et ça, c'est lié particulièrement au rabbi précédent. Asher Yom Iloula Shelo Chal Basiri, l'Ashta Sachodesh Basiri Bishvat. Que c'est Iloula, comme il dit, c'est le 10e jour du 11e mois, donc le 10 Shvat. Shechad mechidushav binyan gilui pnimut à Torah. Que une de ces nouveautés qu'il a faites dans le dévoilement de pnimut à Torah, de chassidut. Shebedorot acharonim nidgalta bedorot achassidut bichlal, ou bedorot achassidut chabad bifrat. Que pnimut à Torah, le sens profond de la Torah, il a été révélé dans les dernières générations, dans la chassidut en général, et dans la chassidut chabad en particulier. Qu'est-ce que ça a été? C'est un grand chidouche qu'il a fait beaucoup d'efforts pour traduire les livres de Chassidut, les Mamarim, dans les 70 langues. Pour que les sources de Pnimut HaTorah arrivent jusqu'à l'extérieur.
y compris à ceux qui non seulement ne sont en aucun rapport avec la Shona Kodesh, et la filoulo la Shon Yiddish, mais même pas avec le Yiddish. Oui, en ivrite, Yiddish, c'est... Chez eux, Aïta d'Etnat Koach Mimenu, que ça, c'est une force qui leur a été de, qu'on a pris de lui. Des gammes cachées, mais targumin, Inyane Pnimut Atora, Beotiot, Shelashon Amvam, que même quand on traduit des sujets de Pnimut Atora dans le langage de chaque peuple, Gdoshimiu, ils vont rester sans. Viesh Bem Amalot, Shel Satim Doraita, ils vont rien perdre de leur sainteté, et ils seront toujours attaché avec le profond de la Torah. Jomerim satim denishmata, que le profond de la Torah, quand on l'étudie, réveille le profond de la neshama. On met kashrim et adam satim de kutchabrihu, et ça attache l'homme avec le plus profond de Dieu, comme c'est expliqué dans le Zohar. Umikan la magno ora le maase. Et de là, on apprend ora le maase, un enseignement concret. Bomdenu berosh chodesh vat, alors qu'on est rosh chodesh vat, c'était juste avant Marie. Asherbo oil Moshe ber et la Torah azot, que Moshe a commencé à expliquer la Torah. Beshivim lashon en 110 langues. Ou bekiruv liyom ha'ilula shel kvodushan morechem yadmur. Et comme on arrive au 10 shvat, le jour de la ilula du rabbi précédent, shishtadel betargum yane pnimut Torah beshivim lashon, qui a fait tous les efforts pour traduire la pnimut Torah dans toutes les langues. Vasher kol echad veechad mitanu. צריך ללך בדרך ישרה שאורנו מדרכיו נלכה באורחותיו נצח סלע ועד, que chacun d'entre nous doit avancer dans le chemin juste qu'il nous a montré parmi ces chemins, et on va avancer dans ces voies éternelles. ובפרט שבשנה זו וארבעים שנה להסתלקותו, à cette époque, quand le rabbi a dit la sikha, c'est 40 ans de la ilula, והבטיחה תורה אשר בארבעים שנה נותן השם לכם לב לדעת. Et déjà, puisqu'on est après les 40 ans, à plus forte raison, comme c'est marqué dans les psukim, que Dieu y donne un cœur pour comprendre, naïm lirot, des yeux pour voir, naïm lishma, des oreilles pour écouter. Et comme les chachamim disent, que c'est à 40 ans qu'on comprend la pensée de son maître. Alors dans ce cas-là, on peut comprendre qu'il nous appartient, la sog bafatsat à Torah bichlal, de nous consacrer à diffuser la Torah en général. Ou bah fassat pimut Torah bemiuchad, et la pimut Torah en particulier, gam leotam anim tsaim bechutza, même ceux qui se trouvent à l'extérieur, achetrim le faresh lahem et ta Torah beshim lachon, au point qu'on doit même leur expliquer la Torah tellement loin, dans les 70 langues. Valiede yafutsum ainotrachutza, et par le fait que les sources d'enseignement du Baal Shem Tov se répandront à l'extérieur, kaatima, le maître viendra, dam alka meshicha, c'est-à-dire le roi Mashiach, Violichenu comme une butte d'Arzenu, il nous emmènera la tête haute dans notre terre. Knisa laaretz, l'entrée en Eretz Israël, Bgeula emitid vashlema, par délivrance véritable et complète. Bimera biamenu, mamas, très bien. Ouais. On peut poser une question ou deux. Alors on se dit Shabbat Shalom et à lundi pour Tania.